Entrez. 967. Je vous attendais. Ah si, c'est fait pour. Et puis c'est le règlement. Le visiteur doit être assis. S'il y a un siège, c'est fait pour. Convocation, s'il vous plaît. Ah, bien sûr, oui. Bureau numéro 1, les 3D à jeter sur le tapis, c'est le règlement. Et surtout, ne les laissez pas tomber. C'est bien. C'est-à-dire, c'est... pas de commentaires, c'est le règlement. Pour vous maintenant, c'est au bureau numéro 2. Allez. Ouais, je patiente, d'accord, deux secondes. Bon, on y va. Où? Il est pas. Vous savez comment ça marche, voilà. Ouais, il est en face de moi, le 67. Ouais. Attends. Achetez. Attends, je vais dire ça en deux secondes. C'est du rouge. Oui. Comment ça, trop de rouge? Allô? Le mec, il attend. Non, mais si vous avez un problème avec le matériel, de toute façon, vous avez qu'à... vous avez qu'à me le faire changer. Eh ben voilà, pour vous, c'est au bureau numéro 3. Non, allez-y. Allez, allez, vite, vite, vite. Bon, sur la table, il y a un jeu de cartes. Tu sais jouer aux cartes? Je sais pas. Il sait pas. Enfin, peut-être. N'importe qui. C'est plus en plus. Je le prends. Je le prends. Oh là, doucement. Ouais, vas-y, prends-le. Tu coupes les cartes. Maintenant, tu les étales sur la table. Et tu en choisis deux. Deux, c'est tout? Deux, c'est tout. Un 7 et un 3. C'est mieux que rien. Ah bon? Et qu'est-ce que ça veut dire, un 7 et un 3? Eh ben, tu lui demanderas, il t'expliquera. Qui ça? Eh ben, lui. Lui? Va le rejoindre, il t'attend. Ne dis rien, 967. Tu as tiré 3 as. 3 as, c'est ça? Oui, 3 as. J'étais sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire? 3 as, cela signifie que tu seras un être humain. Tu aurais pu être un animal, une plante ou même un staphylocoque, mais là, non, tu seras un être humain. Tu sais, c'est très rare pour une première fois. Et c'est bien d'être un être humain? C'est une espèce qui est capable du meilleur comme du pire, mais dans l'ensemble, c'est sans doute plus drôle d'être un être humain qu'une anémone de mer. C'est... pardon? Non, oublie. Le rouge, tu sais ce que c'est le rouge? Ah non. Ça ne m'étonne pas. Le rouge, cela signifie que tu seras un être humain de sexe masculin. Un homme. Tu aurais pu être une femme, mais non, là tu seras un homme. Et le 21? C'est ton chiffre de vie, celui qui définit l'ensemble de ton existence. Un chiffre raisonnable, le 21. Mais ne sois pas trop pressé, les réponses viendront en temps utile. Et le 73? 73. Ça, c'est une surprise, le 73. Aie confiance, 967. Aie confiance. Bonjour, 967. Content de te revoir. Alors, vas-y, raconte-moi. C'était comment, cette première vie? J'en sais rien. Je viens de tout revoir en une fraction de seconde, c'est... c'est au fait. Faut quand même que je vous dise quelque chose. Mais... t'as vu la tête que j'avais là-bas? Vous m'aviez dit humain? Eh ben, j'en connais autour de moi qui se sont posé des questions, hein. Et puis bonjour les galères. Non, c'est bien ce que je pensais. Pas mal pour une première fois. Non, attends. Attends, moi je veux un truc mieux pour la seconde, hein. Sinon j'y retourne pas. Oui, ben ça, tu leur diras ça à eux. Non, tu ne peux rien faire pour moi? Si. Te donner ton dossier et te souhaiter bonne chance. Ah, oh, 967. Le vilain petit canard. C'est bien comme ça qu'on vous surnommait, non? Oui, justement. Ça, c'était la première vie.
Bon, dites, on a assez rigolé, hein? Ça, mon très cher 967, ça dépend essentiellement de ce que vous aurez fait de bien dans cette précédente vie. Oui, mais avec une vie comme ça, des trucs bien, je vais vous dire, il doit pas y en avoir des tonnes. On va regarder ça ensemble. Mais vous n'avez tué personne, c'est déjà bien. Un peu de caritatif, pas mal, ça. Pas de divorce? Pas marié? Évidemment, dans ce cas-là. À part ça, 4520 bonnes actions. 4520? Pas mal, ça. Vous avez rendu 12 personnes plus heureuses qu'elles n'auraient été si vous n'aviez pas été là. Sans parler de cette vie que vous avez sauvée. J'ai sauvé une vie, moi? Dites quand? Souvenez-vous, vous aviez 17 ans. Le jeune garçon au bord de la rivière, si vous n'aviez pas été là, il serait mort. Pas mal, ça. Non, pas mal. Enfin, pour une première vie. Sois le bienvenu, 960... 7. 967. 967. J'aurais préféré 66. J'adore ce chiffre! Mais 67, ce n'est pas mal non plus. Ton dossier. Assis. J'espère que tu ne me décevras pas, 967. Je déteste être déçu. On commence petit. 100 000 et un mensonge. 100 000? 100 000 et un. Je ne supporte pas les controns, alors... Bon, je sais, c'est un peu léger, mais on va tenter de se rattraper avec la suite. Pas mal, ça. Alors, comme ça, on aime les jeunes filles? Excellent, excellent! Dire que, avec la tête que tu avais, tromper ta femme 398 fois, hein, ça tient de l'exploit, hein? Bon, enfin, j'étais pas vraiment marié, alors... Mais passons à quelque chose de plus sérieux. Ah, c'est bien ce que je craignais. Tu n'as tué personne. Dommage, ça. Vraiment dommage, hein. Un peu d'extrême droite, des ratonnards. Mais j'étais jeune, vous savez, c'est... Fais pas le modeste, malheureux. Du bonus, tout ça, du bonus. Ah, mais voilà qui est mieux. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Vas-y, dis-moi. Dis-le-moi. De toute façon, tu peux tout me dire, je sais tout. On sait tout, ici. Raconte-moi, les petites vieilles que tu agressais le soir au fond des rues sombres, hein, pour te faire un peu d'argent de poche. Tu ne les tuais pas, mais tu les faisais mourir de peur. Tu aimais les faire souffrir, parce que tu les faisais souffrir, hein. Je suis sûr que tu les faisais souffrir. Dans mes bras. Mais attends de connaître la sentence avant de faire cette tête-là. Mais moi, je te le dis, ma prochaine vie, ça va être l'enfer. Ne plaisante pas avec ces choses-là. Si seulement tu savais ce que c'est que l'enfer... Enfin, de toute façon, je suis sûr que tu dramatises. J'aimerais bien, ouais. Mais en fait, tout de même, mensonge, ratonnade, adultère, vol, agression... Si j'avais su. Et dire que dans sa prochaine vie, il se souviendra de rien. Comment ça? Allez, un peu de courage, vas-y. Hé, et dis-toi bien une chose. Tout le monde ne peut pas être Gandhi du premier coup. Hein? Il vous a dit que tout le monde ne peut pas être Mère Teresa du premier coup? Gandhi, monsieur. Gandhi. Ah, excusez-moi. Puis pas la peine de me donner du monsieur. De toute façon, ici, ça ne vous aidera pas beaucoup. Alors, après examen de votre dossier, nous allons vous proposer trois possibilités pour votre prochaine vie. Ce sera à vous de choisir, 967. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Première possibilité, un prêtre en Colombie. Prêtre en Colombie. Prêtre en Colombie. Mais c'est pas mal du tout, ça. Vous êtes conscient que vous n'aurez aucune relation sexuelle? Jamais? Remarquez, j'en ai bien profité, hein, dans ma vie précédente. Tenez, par exemple. Ah, je sais, je sais. Sinon, je vous propose paysan en Chine. Vie de labeur, très dure, difficile. Et en plus, vous mourrez dans la misère. Hein. D'un autre côté, avec une vie comme ça, vous devriez amasser pas mal de bonus. Hein. En général, c'est bon pour la suivante. Et c'est tout. Dernière possibilité. Très belle femme, actrice, mannequin. Un peu surfaite, mais très belle vie. Très bien, ça. Oui. Ah, pas vous, vous mourrez dans d'atroces souffrances. Cancer, très longue agonie. Oh, ben, c'est pas mirobolant, tout ça.
Ça, il fallait y penser. Quand vous étiez là-bas. Bon, dites. Dites, et si j'acceptais d'être un animal? Hein? Qu'auriez-vous à me proposer? Le règlement m'oblige à vous dire que, si vous ne choisissez pas très rapidement, nous allons être obligés de tirer au sort. Bon, ben, je prends la fille. Très bon choix. Non, franchement, tu t'en sors bien, 967. Tu sais, je fonde de grands espoirs en toi. Ah bon? Crois-moi, tu iras loin. Mais c'est quoi, loin? Le prix. Le prix? Le prix, 967, le prix. Récompense attribuée aux plus méritants. Tu ne crois tout de même pas que tu as fait tout ça pour rien? Le prix. Bon, ben c'est pas le tout. Faut que j'y aille, moi. Allez, à la prochaine. Prends grand soin de toi, 967. Bravo, 967, je suis fier de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est gagné. Gagné? Ça y est, c'est terminé. Tu es enfin digne du prix. Tu veux dire que je n'y retourne pas? Eh non, 18 vies. Tu crois pas que ça suffit un peu? Allez, je t'emmène à la direction, c'est lui qui va te le remettre. Lui? Lui-même, en personne. Tu t'en vas? Eh oui. Moi, j'ai terminé et toi, tu as droit au prix. Entrez. Monsieur, c'est 967. Je vous en ai déjà parlé. Asseyez-vous, 967. Détendez-vous. Vous faites partie de la maison maintenant. Ah bon? Ça veut dire que je vais avoir mon propre bureau? Non, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais vous aimeriez vraiment travailler avec nous? Oui, pourquoi pas? Vous savez, ce n'est pas un métier aussi facile que ça. Mais fêtons plutôt notre réussite. Bravo à vous, 967, et à toi. Une fois de plus, tu as fait un excellent travail. Merci, monsieur. C'était comment, ces vies sur Terre? Bien, bien, monsieur. Un peu fatigant, mais très intéressant, plein d'imprévus. Bon, il y en a à prendre et à laisser, mais globalement, c'est plutôt bien, la vie. Alors, qu'est-ce qui te plairait, maintenant? Tu veux dire pour après? Bah, le prix, qu'est-ce qui te plairait? Un truc reposant, des vacances. Non, plutôt... un endroit où tout se passerait comme prévu. Un petit coin de paradis, quoi. Mais je crois que je vois ce que tu veux dire. Bon, ça suffit. Il est temps pour vous d'aller chercher votre prix. Et je pars quand? Maintenant. C'est magnifique. Je sais. Allez-y. Je peux? Puisqu'on te le dit. Ah, avant de partir, tu remettras ça à la personne qui t'accueillera. Entrez! 967. Je vous attendais.